Mesdames et messieurs, une fois de plus encore, bienvenue à vous. Cap Vert 2023, c'est grand magazine qui est spécialement réservé à toute personnalité, citoyen congolais que vous êtes, quel que soit votre rang. Également pour vous qui avez le souci d'accompagner la République démocratique du Congo, et spécialement, je tiens à remercier tous ces politiques et pourquoi pas aussi toutes ces personnalités remplies des ambitions liées au développement de la nation. Pour ce faire, aujourd'hui, on a focalisé nos pensées à la jeunesse également parce que, comme disent le français, la jeunesse reste l'avenir de demain. En RDC, il s'est fait un grand problème. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont perdu de l'espoir. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui ne se localisent plus, ils ne savent plus quoi faire. Et pourtant, nous avons de jeunes ambitieux et pourquoi pas aussi ces jeunes qui ont de talent, ces jeunes qui répondent à des normes, mais peut-être qu'il est question d'un manque d'encadrement ou encore de ceux-là qui pourront être élites ou leaders pour accompagner une relève de la jeunesse qui se sent motivatrice et pourquoi pas aussi importante pour la nation. Alors aujourd'hui, je vais recevoir quand même pour votre plaisir Ali Kabasele. Lui, c'est un diaspora congolais résident en France. Et spécialement aujourd'hui, il est venu nous rendre visite. Cap Vert 2023 aura aussi cette grande marque de particularité, de pouvoir un peu puiser, pourquoi pas aussi susciter un peu de réponse. Suite à ses ambitions, il a voulu nous démontrer le contraire parce qu'on a tendance de dire que le diaspora aujourd'hui n'en font rien pour leur pays, la RDC. Peu de diaspora ne pensent pas à investir en RDC. Également aussi, peu de diaspora n'ont pas l'ambition de développer la nation. 2023 nous attend. Nous avons tous cette grande formalité de répondre et d'accompagner peut-être le chef de l'État par rapport à ses rêves. On va recevoir Ali Kabasele qui est avec moi sur ces plateaux. On va commencer par une salutation. Hein. Cela lui permettra aussi d'entrer dans la chaleur de ces grands plateaux. Cap Vert 2023. Il est avec moi sur ces plateaux. Ali Kabasele, bienvenue, bonjour. Et bonjour, Franck. Vous vous sentez très à l'aise, hein? Oui, je suis très à l'aise. Oh. Très bien. Alors, je veux que tu lances un petit mot d'abord. Tout dépend de votre choix. Un petit mot à toutes ces personnes qui te regardent déjà en direct, diaspora congolais, vivant en France, parce qu'aujourd'hui je souhaiterais, ce n'est pas dans nos habitudes, mais on va faire un mixage des langages, on va être en français, et pourquoi pas aussi un tout petit peu en lingala, ça va permettre à toute la grande couche de se retrouver, parce que la spécialité qu'il va nous parler aujourd'hui, ça sera purement technique et ça va intéresser plus le jeune, car ils sont tellement nombreux à nous suivre. Je veux que tu lances un petit mot avant que nous puissions commencer le débat du jour. Ouais, merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et je suis là pour accompagner la jeunesse congolaise en amenant une nouvelle technologie pour enseigner ici en République démocratique du Congo. De mon souhait est que les jeunes, vraiment, que les jeunes puissent émerger dans le domaine technique, accompagner les jeunes, créer plusieurs emplois pour la jeunesse congolaise. D'accord. Bon, allez, tu n'es pas seul. Hein. Je pense que déjà, je dis tantôt ici, tu es accompagné de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes derrière vous. On va être bilingue. Naropé s'appelle Lelo, opportunité, parce que c'est une demande que j'ai eu beaucoup de retombées, des appels, également de messages. Beaucoup de gens ont entendu parler de top technologie. Hein, où ils allient entreprise. Il y a un beau cannabis, pas simplement Kinshasa, mais République Mobimba. Voilà, Bazali et Belena Simanayo. Mais bon, vous avez mal au bâton tout là. Donc, d'abord, on a fait 6 millions de beauté. Hein? Beauté. Voilà. Il faut que l'accent soit bilingue, on a Bazali et Sima. Bazali et Belé. Voilà, sagesse, il faut que l'accent soit bilingue, on a Bazali, Awa et Belé. Voilà. Mais spécialement, dans Monika, car moi, Simoko. On va commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe, Ali Kabasele? Mais Meli Bissoko, car moi, Simoko. Vous allez comprendre la basité, vous allez bango base à la peine en cas il y a une nouvelle technologie, parce que vous allez comprendre sur développement, vous allez encadrer les jeunes, mais pourquoi pas maximiser ma maman, plus dans un monde ma tata, mais vraiment, on a un peu ça à basse et bon, on a un stagiaire, on a une promotion de Bosso. En fait, on a eu sa technique en France à utiliser la Rabanda 1992, de toi, on a 30 ans de retard, technique pour protéger tout contre. Bah, choc électrique, non, bah, contre bah, contact direct, non, bah, contact indirect. C'est-à-dire, bah, bah, quand on a un courant, bah, bah, vous allez électriser, électrocuter, bah, vous coufa. Et on trouve dans mon cas, bah, technique, et mon cas, solution. Pour tout le temps que ça gêne, c'est plutôt créer entreprise pour, bah, gêne, on se bat si c'est mis ça là,
pour embaucher bango pour travailler pour la République. Bato nyoso ba to banda kulu na ville na République démocratique du Congo. Bobenga ba tu as top technologie al cap d'assel et déjà formé jeunesse oza ba tozuka mandambu ba promotion de bosso. Il y a pas de souci, il y a pas de souci parce que on va parler de tout sauf rien. On va parler de tout sauf rien. On nous regarde partout, depuis qu'ils s'en gagnent, on nous regarde. Également aussi nos amis qui sont de l'autre côté de Bounia, Bazota Labisso. Je veux que Batouba comprenne d'abord, top technologie en soi, ils en ont nini exactement. Parce que les loyers n'ont cap vers 2023, ils allaient mission Moko Tozali qu'on dévancer déjà. Ils sont au dévancaka pour que Miko Lekoya, tous les sources n'ont pas encore sauté. Parce que beaucoup de gens, tout le monde a été en doigté, ils ont été en doigté, ils ont été en doigté. Mais en finish, je m'appelle ça la solution pour l'avenir. Alors, Bissot émission Oyo, nous pensons déjà réfléchir en avance. Toi, tu es venu avec une nouvelle technologie pour améliorer le futur, j'espère bien. Voilà. Mais tu vas comprendre aussi que top technologie, ils en ont nous mis. Expliquez-nous, nous allons dans nos nani, nous allons nous mettre. Bon, moi, Ali Kabassélé, nous allons technicien en France en domaine domestique, tertiaire et industriel, mais spécialisé en domaine d'habitation. La bandine a domaine d'habitation, pourquoi? Parce que dans le monde qui est beaucoup et bon la bande qu'on a en courant. Il y a une solution autour de la technique en France à utiliser, technique aux Suisses à utiliser aux États-Unis, tout autant en sommaire. Pour en tant que technicien, selon la monde qui est en France à utiliser, ils ont plus simple. Pour la vanille en France, et puis nous avons promouvoir une technique française. Nous avons appelé écrivain, il n'y a pas de souci. Livre. Voilà. Nous avons appelé ouvrage électrique. L'électricité. Donc, ce qui est le titre, il y a l'ouvrage Les secrets de l'installation électrique. Voilà, je pense on peut, pendant que tu parles, hein, je pense qu'on va tirer un peu. Premier, top technologie, il y a un centre de formation auto-créé dans la ville de Kinshasa. Mais tu as dit, on a posé ça et Panzana, République Mobimba. Il y a une top technologie, tu as formé technicien en électricité spécialiste en habitation, tu as formé électricien. Et puis, tout ça, la partie informatique, formaté informatique, il y a au développeur. Donc, tu es pour toi accompagner jeunesse. Là, tu dis top technologie, électricien, technicien. Si malamo ko bima, tout ça, l'IP société, tu embauches, malamo, tu as dit chantier. Donc, tu as dit chantier, tu as dit que tu as dit que conception as dit que tu as dit protection pour tu as dit que tu as dit Moutou à Karamasou dans courant, tu as oublié ta cité. Ce qui est arrivé, que Moutou pas simi phase, oui, ce qui est ma pièce mise sous tension en phase, ingénieur, terme technique, ce qui est ma masse métallique, mo, ils ont sous tension, au relais, oui, bien sûr, mais la technique est totalement quatre à courant. Très bien. Mais ce qui est en contact indirect, par exemple, si ma réchaud, plaque de cuisson, au relais, mais la technique n'a pas de temps ou quoi, comme on a été au relais, ça, donc dans la milliseconde, ils ont quatre. Ils ont protégé tout l'animal domestique, puis ils ont calibré bien l'installation pour incendier à la rate. Donc, si je comprends, déjà vous êtes là pour amener une nouvelle technologie dans le domaine de l'électricité. Également, aussi, tu as pensé le faire avec le jeune. Lelo, il ne se retrouve quasiment pas aujourd'hui. Mais ça te dit quoi exactement quand on parle aujourd'hui que le diaspora que vous êtes. Vous n'investissez pas dans votre pays, vous n'avez pas ces soucis d'accompagner le chef de l'État, vous n'avez pas les soucis de développer la nation dans le domaine X, topé Y. Mais il y a une particularité, au l'accès sur la diaspora, mais il y a un développement. On espère croire qu'en 2023, aventure forme un soucis. Ça te dit quoi lorsqu'on vous critique un peu, vous, les diasporas? On a un pour dire que les Congolais ne font rien, ce sont des fainéants. Ils ne savent pas travailler, mais pendant que tu es aussi congolais comme les autres. Oui, bien sûr, mais ça, tu es dans le monde de la jeunesse, tout le monde est dans la jeunesse, les jeunes ont la jeunesse, ils ont la tout ça pour encadrer mes athées. Il y a un peu de temps, tu es dans le monde de la jeunesse, 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 à un partenaire dans la, mais toujours c'est un peu appui à l'État pour toi avancer dans le projet. Donc, le réseau technique est ici. Donc, on génère l'emploi et bonne dans le monde. Pourquoi on a pris cet exemple? Ceux qui, par exemple, l'État congolais, l'objet qui est à partir de 2023, par exemple, mettons 2023. Par exemple, moi je souhaite que ça commence en 2023. Voilà. Par exemple, en 2023, nous sommes dans la République, dans la technique ou ingénieur Ali Kabassélé, technicien Ali Kabassélé, pour
batbaku façon de bandeau tu as balé dans les sous-soutés. Aux hommes là ce qu'on batou bah autant en haut. Ton temps ici bah jeune bah aux hommes ça. Pour batou au bassin d'installation à caravane installation. Tu peux signer nos 3 ans à partir à quelle date on nous contrôle. Aux hommes là qui bah jeune bah aux hommes ça là en bloc donc tu crées des milliers d'emplois. Donc souci dans les agis pour la moque pour la jeunesse. Il y a un peu de fort, on a bien sûr tout ça, un souci pour l'État accompagné. Pour tout le monde, ils arrivent à Kinshasa. La Kinshasa, tout ça, en place, c'est Bélé, ils arrivent à la République. Mais pour l'instant, vous êtes qu'à Kinshasa. Pour l'instant, tout ça, on a dit que nous avons adresse. Tout ça, on a venu au Pala numéro 8C, donc croisement force, au Pala côté force, mais au Pala numéro 8C, tout ça, Star Technologies. D'accord. Je vous retiens Ali Kabasele. Je rappelle que vous êtes, je ne sais pas, que je vous appelle le promoteur, le coordonnateur, le PCA, je ne sais pas comment vous notifiez, mais au moins vous êtes le responsable de ces grands centres top technologie. Ma question est des curiosités, hein, parce que soyez libre, je vais donner la parole à chacun, d'entre vous aussi vont tenter de nous relater un peu leur aventure. Mais comment est-ce que tu t'organises, en fait? Vous avez parlé tout à l'heure que vous êtes un centre d'encadrement de jeunes liés au développement sur les secteurs électricité. Mais toi et Banane, vous allez organiser Ndengeni Nakatiwana, parce que centre en haut, et vous allez à Kiboudi, Ndengeni Tobaka, Motoye, Leki, Asali, formation en haut, Ezali Penza, na valeur Nini, hein? Peuple congolais à comprendre, non, parce que tu as dit si tu as besoin qu'en 2023 que au excellé dans une aventure. Expliquez-nous comment est-ce que tu t'organises pour que ces jeunes viennent baso mayel avant dans l'organisation mon tout sokaye. En tout cas, tu tiens inscription à 10 000 francs, pas mon inscription, 10 000 francs congolais inscription. Et puis Minerval sont pas tout formé par technicien et puis tout formé par électricien côté électricité dans le bela électricien. Par alors ça, là, 3 mois de formation, le frais là, par mois, ils allaient $70 par mois, à part bah, si la bise, tout ça, les a un peu moins cher. Mais en vrai, je n'aurais pas été quand même peut-être. Mais autant en si la bise, on doit mettre à côté. Mais autant en est. Vous êtes aussi comme les universités qu'on a ici en République du Congo, papa. Le chef de l'État a parlé sur ça. Papa, si vous voulez. Sont les étudiants, battant à calme. Mais ce qui est chef, il y a un chef qui est peut-être la subvention des alliés. Nous avons autant de l'ouvrage où nous avons un contrat dans la maison d'édition. Donc il ne faut pas avoir la documentation pour permettre d'avancer dans la formation. Donc, Minerval, les acceptants de là pour un électricien, 3 mois, pour un technicien, on s'en a 6 mois. Technicien, Aza comme un ingénieur. Zéla, côté prix. Au lobby, 10 000 francs congolais. 10 000 francs. Tu as un tiers dollar, tu es minable, tu as un tiers dollar. Bon, 10 000 francs, tu as un pour mon ézali, il y a moqué. Tu as un souvent de ce que là. Quand tu viens maintenant côté Minerval, là, tu mets 70 dollars. 70 dollars, c'est toute une année ou encore. 70 dollars, ils ont par mois. Ils ont par mois, on fout à 70 dollars, mais tout ça, il y a, vous avez fait dans 2 tranches, chaque fois, vous avez fait dans 3 tranches. Nous avons un moutier, vous avez l'inscription là, 10 000 francs, à peine la moitié n'est déjà avancée. Soit 35 dollars, à quoi vous tapez totalité. Donc, électricien, autant la web technique nuance, autant ça, la calibrage, ma ramonance. Différence, c'est entraîneur technicien, ça, la cime, puis technicien, à travailler dans le logiciel informatique. Alors, ça, la étude, conception, planification, ma ramonance. Donc, c'est comme un ingénieur. Donc, la cime, là, ça, la 3 ans, l'institut supérieur, puis de condenser formation, tout ça, et formation, moi, qui toco, tout ça, en haut, la 6 mois, dans un pays développé, hein? Et donc, je tombe sur un bon et belé, et ça va formation. Et puis, autant de formation normale, les gars, université n'a cher. Très bien. Très bien. Donc, tu. Tout le monde, ça, là, moi, défi, hein, en quelque sorte. Bon, ce n'est pas. Tu es un défi, tu es dans l'autre, c'est important, sa formation. S'il vous plaît, tu auras la parole. Tu auras la parole, parce qu'aujourd'hui, on a une référence aujourd'hui. Ce n'est pas pour léser ou encore créer polémique là-dessus. On connaît l'ISTA aujourd'hui, l'ISTA avec les. Nekonasuba Mouché, tout même. Hein, il prend vraiment trop de temps pour apprendre. Et on a le résultat lorsque Baza sur terrain, tout le monde a Baza avec ça. Mais il y a 6 mois, il n'y a pas. Et ça y est, le rôle net, vous allez que ça là nous défi, que vu le temps, vous avez, peu importe, mais voilà, moi, Ali Kabasele avec Top Technologie, je viens dans 6 mois regarder le résultat.
Bon, on a quoi répondre même en France, mais c'était super. C'est dans notre temps, il s'est dit. Dans la question, il y en a un petit exemple. Même la France. Et puis, si, institut supérieur, ils ont l'atti. Institut supérieur, ils ont bien, ils ont 3 ans, 4 ans, ou ça, ils ont. Ils ont bien, ils ont besoin de nous. Formation, ils ont bien. Ils ont que tant que j'ai un aussi, ça, Moussala, ils ont mal à moi, quand ils ont. Le temps où tu as des sites supérieurs comme ça, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 6 mois, à maîtriser ma cam. Pour tout le temps, dans l'intensité, quoi. À maîtriser ma cam, on l'a battu, mais résultat, on a le bimissa, et on t'a parlé. On a l'ingé, 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 on a formation, et ça, on a payé, développé, on a tout le monde. Tant que tu as 6 mois, à ce métier. Mais ça, c'est un miracle. Pour nous, en 2023, pour tout se développer, il faudrait tout ça là-bas, centre de formation, mini na place, tout ça là-bas, université, créons des centres de formation pratiques. Non, université, ça m'a bêté, centre de formation, faut aller bêler. Parce qu'ils ont des codes, ça fait mon amour. Dans le sens de l'hygiène, la silice, la humanité, normalement, on continue ça. Pour une photo privilégiée, le centre de formation est bêlé. Parce que toujours, tu as dit que j'aime trop de temps encadré. Au moins, on a tout le monde, on gêne, on a Kouluna, on a donc, à sa formation, on a fait une formation, on a fait ça. Tout ça, la partie civisme, tout ça, la partie, tout ça, ça, orienter les gêne, qu'on l'accès, vie zanini, métier zanini, tout ça. Tout ça, parce que nous avons aussi un mécanisme sur le Liban, surtout dans le cannabis, il faut que TEP Ming. Ok, d'accord. Bon, allez, on va passer quand même la parole aussi à nos amis qui sont avec nous. Hein. Je rappelle que je suis aujourd'hui spécialement accompagné de nos amis d'un grand centre. Je pense que à la longue, on va comprendre ces réalités. Hein? On va comprendre ces réalités. Il suffirait simplement que Ali Kabasele nous prouve de quoi est-ce qu'il est capable d'accompagner. C'est ça plus son souci, d'accompagner le jeune, jeune que vous êtes. Faites-vous utile pour la nation. Il est très important. Il ne sera pas souhaitable que en 2023 qu'on retrouve ces jeunes derrière le politicien en train de suivre un polo, en train de suivre un 5000 francs. Mais jeune, fais-toi utile par rapport à une compétence dans les savoirs. C'est ce qui est important. Alors aujourd'hui, il a voulu ne pas prendre ou muser son argent par des futilités, mais il a pris son argent pour mettre à l'intérêt de jeunes ou encore de la jeunesse congolaise afin d'apprendre quelque chose ou encore d'apprendre un métier. C'est ce qui est important. Alors, je le reçois aujourd'hui spécialement. Il nous parle de l'aventure. Il nous parle de ses grands centres. Également, aussi, on va comprendre, parce qu'il est venu nous prouver qu'il a aussi une marque des élèves déjà, qu'il a confiance pour la première édition. Hein. Donc, ils sont avec nous sur ces plateaux. Cap vers 2023, on prend l'excellence pour le futur. C'est ça même notre objectif. Alors, Naro Olingapé, étudiant Balouba Mouké, hein. Rock est avec nous, je veux lui poser un peu de questions, permettez-moi un peu de tester aussi un peu, hein. Il faut tester, un tout petit peu nos amis du centre Top Technologie, parce que c'est une nouvelle innovation pour l'avenir, pour le développement de la nation. Hein. On va faire un peu ces petits schémas d'accompagner un peu ces jeunes. Alors, Rock, ça va? Oui, ça va. Voilà, sens-toi à l'aise. Hein. Voilà. Je suis à l'aise. Alors, moi, question Moro, il y a curiosité, Kaka, pour Nabenga est professeur. Prof formateur. J'utilise les termes que Minobo utilise. Alors, c'est dit à quoi exactement? Bon, la bande qui soit arrivé à que mon tassimi réchaud à l'ingue, soit tassimi masse métallique, c'est parce qu'il y a défaut d'isolement, la réchaud, soit la masse métallique. Voilà. Donc, il y a une électrisation, on a un peu de l'ingue. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Massa Mongo, moi.
Et ça va bien, n'est-ce pas? D'accord. Alors, restons sur masse métallique, par exemple. Ce qui est commis dans sous-tension moko accidentelle, hein, à cause d'un défaut d'isolement. C'est, tu peux nous parler comment, tu peux nous expliquer comment sur ce point? Bon, les acquérir, appareil Nabisso, par exemple, les réchauds. Comment est-ce que vous allez avoir l'examen, hein, voilà. Que le Congolais comprenne que vous êtes formé par une nouvelle technologie aujourd'hui. Hein. Voilà, allez-y, sois à l'aise. Ouais, par exemple, les acquérir, réchaud, congélateur, les acquérir, un défaut d'isolement. Et ça, les acquérir, il y a un fil où il est touché quelque part. Les ça là, réchaud et l'aiguille, ça. Donc, Bisso, la top technologie, bah, il y a l'accès à Bisso. Comment est-ce qu'il y a qu'on arranger, qu'on remédier à problème, on n'est pas qu'il y ait balle, on n'a pas avant le vandaku, on a tant qu'on va défaut des hommes et aux alas. Voilà. Avant de passer à micro, on a des gommes sous, et là, on dit, c'est ça, c'est qu'on croit en aventure, on croit en moko ya ba diaspora, et qu'on passe à l'ICAN ici pour développer la nation, le secteur plus lié à l'électricité. Qu'est-ce qui t'a plus motivé de croire aujourd'hui tu figures parmi on a ça va coffre moussous ouais normalement on a footballeur on a quoi faire j'entends là qui l'idée il y a professeur en abisso il y a formateur en abisso après ça avec confiance parce qu'un mec c'est une personne assez intelligente ouais il y a un tout ça en aya on a plus confiance quoi. D'accord, merci beaucoup. Voilà, alors je reviens à vous, hein, Ali Kabasele. J'ai une autre question moko. Solution est anini pour éviter l'électrisation de ton monaka, et l'électrocution. Il y a deux mots là qui sont. Ouais. Donc, on a redéfini là, Le gars a expliqué, Rock a expliqué aujourd'hui. Les défauts d'isolement, tout ça. Mais comment faire pour éviter un peu sur ça? Ton banana, l'électrisation, c'est lorsqu'une personne est traversée par le courant électrique. L'électrocution, c'est lorsqu'une personne est traversée par le courant électrique et décède. Donc, on sera à l'ingé à couffiner tout bien à électrocution. Si quoi, pour éviter en haut, tout ça, la gaba circuit mis à la terre, la instauration, il y a un dispositif différentiel à courant résiduel, qu'on combine en mi-balé, de au sala qui tant ou réchaud, tout récepteur, à ce qu'on a courant, et gros l'ingé ça monte, tout que vous m'appelez mon tout. Na ba milliseconde, une seconde est belle. Azo kat automatiquement. Lino an ngo lengisa mutu. Na ba milliseconde, izo kat automatiquement. Wana mayela sika oyo. Wana mayela to yena o a. OK. Na to bike mutu. En tout cas, biso to sala installation, muta ko lenga na courante. Muta ko lenga na courante, to zo éviter pe muta ka na courant. À part mauvaise utilisation, ba technicien ba sali bobo bozo utiliser ma be. Hein, wana me et ko ko générer ba bah dommage mais tout bien en électricité donc il y a un truc bien en gêne bah quoi apprendre des techniques on a payé toi n'as pas ça accompagnement à l'État et ça aussi ça protège aussi la personne lui-même hein. Si ça protège la personne succomber à la mort ben oui voilà, ils ont protégé bah tout c'est intéressant même on a bien oublié bébé boutique n'a pas imaginé les courants les a sans protection bon tout à fait bébé zone mouloma azu fourchette à côté de la prise mais c'est grave parce qu'on a technique n'a à côté de la prise oui à rouler mais quand t'as courant. Ceux qui ont un contact indirect, vous voyez que si ma frigo, congélateur, et comme il y a été à Colengi, ça. Donc, tant que vous avez été à Colengi, c'est la milliseconde, ils ont été automatiquement. D'accord. Mais un petit souci aussi, par rapport ici à Kinshasa, on le remarque, il y a deux cas, au moment où on a été les motos, mais incendiés à l'Ikosalema. Curieusement aussi, Moutouka Oya Kanama Iwana Komona Ezumwangonga, compte tenu à Bambouteillage, Mokamé Bele, et Yemenda Koseziki. Récemment, il y a une maison là vers Selemba, précisément dans les quartiers camping. Donc la maison a pris feu. Je me pose la question, d'où provient l'incendie exactement? Incendie Outarawapi, Ezubi Melandengenini. C'est par rapport à manque de nouvelles technologies, Otozanango, des bandas qu'on a fait Ali Kozika. Les Tolobar en plein 21e siècle, nous continuons toujours à subir ce genre de situation. Avec vous, on va pas succomber sur ces points ou ça va encore bien marcher? Alors, Ali Kalebasele, vous avez la parole avec vous. D'accord. Il n'y a pas de problème. Allez-y, mon frère. Bonjour, ça va? Ok, ça va bien. Ok. Ok. Incendie Salemaka à partir il y a
mauvaise installation, mauvaise calibrage, mauvaise matériel. Des salles à quai, nini, incendie des salles. Par exemple, dans un allonge, ils ont les kissa, ils en ont 10 ampères. Et aujourd'hui, bah, pareil, et belé au branché dans l'allonge, ils ont, bah, pareil, ils ont, par exemple, ils en ont 20 ampères. Oh. Monique, allonge, moi, ils supportent charge, ils en ont 20 ampères, et ça, c'est parce qu'ils en ont 10. On a baillé bito, baillé bité. Bon, bah on a baillé bité. Baillé bité. Pas ce baillé bité. Ok. Donc, alors, on a, à ce moment-là, bah, si on est chauffé, il s'en est au salé. Très bien. Par exemple, mauvais câblage. Nous avons un sali circuit installation en Haï. Ils ont dépendre d'un disjoncteur à 20 ampères. Yo qui ou installé une ampoule par exemple n'a pas pris l'équipe prise de 20 ampères. À ce moment-là, les joncteurs moyen supporté charge wana zaté. Bah si ngé chauffé. Très bien. Bon, allez, on va un peu regarder. Je vais proposer à la population de regarder un peu ce qui s'est fait là-bas chez vous. Hein. Supporter un peu de regarder ces images. Bon, on a voulu un peu prouver qu'ils existent en quelque sorte. Vous allez regarder un peu le module de travail, comment est-ce que Ali Kabassel est avec son staff, avec ses étudiants, comment est-ce que ça se passe. Hein? Regardez un peu en extrait, juste en extrait, et j'ose croire que le détail ou la précision, il faudrait vous y mettre en fait. Donc, bozo pelikam oyo, nengeya lobi awa, ezali moyen ya kopé sa pemboka et se développer dans le secteur. Les lois ali kosa la pemwa pasi. Baka ya makambo ba courant, na bandaku, na ba habitation, na biso, on le remarque aujourd'hui. Les gens meurent, il y a des réalités qui se passent, il y a des bricoleurs qui s'impliquent dans ces histoires parce que le courant n'a pas d'amis hein, aujourd'hui. Namoutoune baloba namoutoua salaka l'otili qui est moko hein akoufa baloba akoufa dans l'otili qui est bon. Allez, regardez un peu cette ambiance et puis on va revenir avec quelques questions. On va poser à Ali Kabassel et également aussi avec tous les amis qui sont avec nous dans Cap Vert 2023. C'est parti. C'était toujours fermé hein, l'auto-maintien. La bombe s'alimente, ça va créer un champ électromagnétique. Quand ça va créer ça, le contact va changer d'état. Bonjour. Vous avez une signalité de notre vie. La signalité de notre vie. Le contact et la bobine va créer un champ électromagnétique qui va changer encore l'état du contact. Donc le contact va s'ouvrir. Tableau divisionnaire de Tobéga. Pour alimenter. Ah, ils ont permis les bambou. Normal, mais sont en France, ça c'est. Il y a des disjoncteurs d'abonnés différentiels à 500 mA. Comme on vient de le dire, à 500 mA. Mais ça, c'est pas sécurisant. Hein? Donc, c'est pour cela ici, dans nos lignes ici, ça sont des différentiels et des disjoncteurs. On va utiliser des DDR, comme je viens de le dire, des dispositifs différentiels à courant résiduel de combien de milliampères? De 30. 30 milliampères. Donc on va les mettre en aval des disjoncteurs d'abonnés. Vous comprenez? C'est pareil, c'est plus simple à l'image. Hein? C'est bon ou pas? C'est bon. Moi je regarde. Première étape pour expliquer, là. Deuxième étape pour expliquer, là. En suivant les schémas.
Première étape, vous m'expliquez que je pars d'ici. Naki Awa, Naki Awa. Première étape, on sort avec la face vers le bouton couchoir. Éclairage avec contacteur, c'est le circuit éclairage avec. Circuit, l'éclairage avec contacteur. Je sors avec ma face vers le bouton couchoir. Déromi professeur. Vous comprendre, sur quoi? Oui, il y a une idée. Hein? Oui. Non, 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 non. Aval, l'accès aval, il y a. Aval, mais il y a assez à moi, il y a beaucoup. Dans l'ensemble, ça va, dans l'ensemble, ça va. Donc, pour avancer vraiment bien. Nos amis ont besoin de développer cette nation dans les secteurs liés dans les domaines électriques, je peux le dire ainsi. Vous avez vu qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train d'apprendre. Moi, je pense aujourd'hui, le Congo ou les Congolais doit enlever cet esprit de paresse en lui. Dire qu'aujourd'hui, bien sûr, on a une difficulté énorme, il n'y a pas d'emploi, mais les idées peuvent créer les emplois. Aujourd'hui, Ali Kabasé l'a pensé, il a songé, mais il a donné l'opportunité. Je ne suis pas porte-parole, même pas. Mais j'ai senti cette innovation, mais je réalise que c'est maintenant que le Congolais peut se développer soi-même. Il ne faut pas attendre que, bon, excusez-moi, un Pakistanais, un Français qui doit venir nous coloniser, mais pendant que nous avons ces potentialités. Je vis ce jeune en train de prendre des notions, en train de prendre des formations. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui que toi, qui nous regardes à la maison, que tu puisses te lancer dans cette aventure? Bon, je pense que chacun peut remonter le moral des Congolais que nous sommes à travers des innovations pareilles. Bon, Ali Kabasele, je veux, par rapport à ces images, je vais quand même poser aussi la question à Rock, hein. Je préfère que Rock réponde à cette question. Nandenge Siko Bozozo ba formation Lelo. Hein? Je veux que Ope Sangana au moins, parce que Nepe Soyo Zalaki na Katiwana, na Ebite. Azalaki, hein? Voilà. Bon, c'est bien d'ailleurs comme Ozalaki. Nani peut le balou la mobile. Nandenge Siko Bozozo ba formation. Est-ce qu'il y a évolution dans ça? Il y a évolution. Voilà tout le monde les Ali Bilili. Mais de Yomoko. Est-ce que vous avez une évolution? Les lopés, vous voyez que n'est pas dans moi qui coupe ou mourir, ok? Au tester, peu au salé, les pètes, au moins qu'il y a un bon résultat. Il y a évolution? Bon, parlant d'évolution, ok. On est mon DTM, mon évolution, ils ont moi par rapport à par rapport. Parce que nous avons eu un kit en formation, nous avons eu un kit en comélie koto. On est dans un immeuble intelligent, dans une installation. Bon, allez, ça nous motive. Hein? Donc, ça motive déjà. Ça fait preuve qu'il y a des avancées. Alors, Bagu, non, je sais pas, Zali, Wapi. On va un peu. Bolimbi, ça, vous êtes à l'option d'Abanda, mais on doit expérimenter ces jeunes. On doit voir un peu. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut aussi puiser, tirer d'eux. Les utiliser aussi, hein, donner de l'emploi à ces jeunes, ça fait partie du développement de la nation. Ils ont besoin
de pouvoir y sortir leur intelligence, leur capacité. Alors, Badino, différence in les allées entre disjoncteurs. Hein, tu vois, disjoncteurs, bah, tu as snel, ne bah, y a terme, wana, disjoncteur. Oh, disjoncteur et koufi. Hein, ce qu'on peut savoir dans la différence entre disjoncteur et différentiel. Voilà, deux contextes là. Tu nous expliques un peu. Bon, merci pour la parole. Ok. Les Liboso, disjoncteur, ils ont aidé l'installation de la biseau contre les sirétensité. Donc, sirétensité et l'axi contre le court-circuit. Là, pour la biseau, tu n'as pas différent, mais pour la biseau, pas différent, le coup de la biseau. Mais différentiel, ils ont aidé la biseau directement ou indirectement. Directement, par exemple, la Simbi, face à la courant, par exemple, la logette, la ligne. Indirectement, ceux qui masse, plutôt, ceux qui masse dans la ligne, soit réchaud dans la ligne, ils jouent, par exemple, si la réchaud, je m'apporte, masse électrique dans la ligne, et comme mise sous tension, accidentellement. Donc, réchaud dans la ligne, par exemple, si la réchaud, je m'apporte, ma mode différentielle, au kata avant tierce. Très bien. Le pire qui est inconvénient greffe et comaté dans l'installation du sandal. Très bien. Voilà. Alors, c'est pas facile hein, de répondre comme ça en direct à la télévision. On a fait un petit test, de voir un peu vos capacités hein, sur la formation qu'on a vue tout à l'heure à travers les images. Alors, ça prouve déjà que vous avez une notion. Hein, vous avez une notion. Alors, Chico, circuit va et vient. Maintenant, nous avons une question pour répondre. Dans le circuit va et vient, son importance. Schéma 6. Schéma 6, ça schéma 6, voilà. Alors, mon frère, tu te présentes d'abord. Le nom? Le nom, c'est Vini Caboron. D'accord, Vini. Allez-y. Ah, le circuit va et vient, il a supposé aider le sauveur de Maramou et Bélé. Il a supposé aider le sauveur de Maramou et Bélé. Il a chambre. Par exemple, dans la chambre musicale de Nazali, la place Monde Rosa Musica, Naimbetoza, la place na Téléma, na Kenela interrupté na Boma, mais na route ça peut va et vient, car la place na Lali na Bomi na Ngampoule, et puis na route on peut na couloir. La route ça va et vient, on explique-moi. L'installation. L'installation de la salle. On ne va pas se lever, la personne ne va pas se lever. Il donc, reste là. Donc, va et vient, et il est ça, va et vient. Très bien. Donc, ce qui est là, c'est que nous avons un peu donc, ils ont un peu de temps. Dans l'installation, il y a un circuit va et vient. Là, si nous avons un peu de temps, il y a un circuit va et vient pour nous permettre de faire ça, va et vient. Dans le temps, on peut faire un couloir, il y a une porte d'entrée, il y a un couloir, puis un couloir, pour nous aider à faire ça, va et vient. C'est un peu ça. Très bien, voilà. Bon, allez, je reviens à Ali Kabasele, parce que je vais passer la parole quand même à un jeune. Je pense que ce jeune peut impacter aussi, jeune que vous êtes, vous me regardez maintenant. Vous savez, bon, moi j'ai un souci, hein, j'ai un souci majeur, c'est de rêver que la RDC puisse se développer dans plusieurs secteurs, s'il vous plaît. On a des gens très intelligents dans ces pays. On a des potentialités de réflexion, des éminents, je les dirais ainsi. Mais qu'est-ce qui fait que notre pays reste toujours sous un mental moins développé? Mais par contre, on a des gens qui maîtrisent au fait de réalité. Bon, il y a un jeune qui m'a impacté tout à l'heure dans le couloir. Je veux qu'il nous parle un peu de son rôle au sein de cette grande formation Top Technologie. Il va nous relater un peu de ce qu'il fait, des quoi est-ce qu'il apporte comme innovation. Alors, ça va? Ça va. Comment tu t'appelles, mon frère? Je m'appelle Jean-Cy Kassa. Jean-Cy Kassa, analyste programmeur, président fondateur d'une start-up récemment, je l'ai créé récemment, pour la création des applications et des logiciels, et ainsi que des sites web, et actuellement, je suis aussi formateur dans la Top Technologie. Aux allées jeunes, hein? Oui. Bon, malheureusement, je ne sais pas te demander ton âge. Non. Malheureusement, mais vous êtes jeune. Tu ne crains pas entrer dans des histoires qui n'ont pas
un même diapason avec ton âge. Parce que déjà, on entend ce que tu dis. Ma jeune soubaute à l'obalo bagano, au bilo, vous allez à batata, ils allaient à batou, à misolo, ils allaient à batou, bazaline à bas gouvernement, batou, bazaline à bas moyens, les bagou, le bilo, mais il y a des gens qui ont dit qu'on qu'est-ce qui t'avait motivé d'abord? C'est toi qui es venu adhérer ou bien bango bas solliciter par rapport à la compétence, moko, pour que le lopé s'habille sur le meilleur de ce que tu es en train de dire? Bon, déjà, pour la macambia, nous le pouvons âge, moutou, quand tu as besoin d'innover la vie, quand tu as l'âge na haute, voire même la Bible, nous avons dit que j'ai battu. Alors, pour nous, il choisit directement à Tindio. Et j'ai regardé des grands. Au bas de grand, le Bill Gates, ils ont aussi été comme nous. Bazaki Boye, ensuite, comme il y a le place Bazali, il y a un agent qui a monté. Il y a un agent qui a monté. Et, je suis un étudiant, donc aussi, ça va être ici, en tant qu'analyste et programmeur, mais c'est Ali Kabassé, il m'a sollicité. Je ne sais pas, il y a Mingi, Mama Denise. Parce qu'ils ne veulent pas chercher. C'est parce qu'ils ne veulent pas chercher. Oui. Ah d'accord. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, Anna diplôme Nanda Kuma, il a peur d'aller chercher du boulot. De peur que Makamo attend qu'Anna Azala est incapable de. Question de compétences. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc. Il y a un moment, on a salé moi test à Wat. On a salé moi test, on a retourné à moi, Mituna, pour te peser mon niveau. D'accord. Bon, en fait, Nakati Wanasikoyo, qu'est-ce que tu as comme innovation, Yassika? Parce que tu es en train de relater, tu es en train d'énumérer jeunes que vous êtes également, et voir aussi aujourd'hui l'aspect que tu veux innover dans un secteur pour développer en fait quelque chose qui aura comme intérêt pour la nation. Parce que pour bénéficier d'un lot, ils allaient par rapport à couper sa moka développement, n'est-ce pas? Alors, Nignasi, qu'ils allaient dans la question. Voilà, déjà, top technologie a aligné pour innover car dans un secteur il y a l'électricité karaté. Déjà, il y a l'électricité, ensuite, il y a moi pour l'informatique. Et déjà, ils ont pas si. Vous en entreprise, moi, entreprise, non, qui est. Tu es tout le temps là, en train de publier ça, papier, tout ça. Là, dans salle qui récolte, ça va donner, là, il faut travailler, là, TFC, là, Saint-Joseph. Je suis allé là-bas, et puis il y avait tellement de documents, pas cahier, pas mon bébé, et puis il y avait des éléments répétitifs. L'archive. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Non, bah ensuite, bah document bah utilisé récemment. On a enregistré bah femme ou bazar robota, l'imala et tout ça. Alors qu'avec l'informatique, manuscrit, voilà. Alors qu'avec l'informatique, on peut miniatiser ça. On peut miniatiser ça, gagner du temps, bah maramoussou et tout ça. Et pour par exemple pour la information, malade mankoya, ayara dans l'hôpital. Et là il y a pour la deuxième fois comment dans ce côté un cahier. Alors que rien qu'avec son numéro malade ou soit son nom. Et puis, si maman identité, il n'y a pas de seconde. Et comment tu peux faire ça? Explique-nous un peu. Voilà. Voilà. Parce que quand tu parles de ça, les gens se posent la question, mais ça se passe comment? Ça s'est fait comment exactement? Hein? Parce que, il y a moins de nouvelles technologies. Moi, je veux que le gouvernement découvre un peu ce que vous avez comme innovation. Ressortons un peu. Voilà. Déjà, pour la top technologie, ouais, non, j'aimerais d'abord commencer. Pour la plateforme, on a aussi créé Startup Nangana. Et ça, normalement, pour la création d'applications, logiciels, pour la gestion et autres. Maintenant, la top technologie, qu'est-ce qui se passe? Le limite, c'est que Moutou pose la capacité à vous créer logiciel ou application. Et ça, la réalité, il faut que vous vous en train de programmer son identité. Ce qu'on appelle, bon, pour ne pas dire BBM, Database Manager, parce que à ce niveau-là aussi, ça demande assez des éthiques. Mais pour ça, au moins la capacité, il y a pour créer base de données, il y a moi, entreprise, non, qui peut y a pour gérer en gros. La top technologie ou la capacité ou la. Vous avez la capacité de créer mon application. Non? Admettons tous exemple moi, de papa journaliste. Nanda Kuna, on a des bana. J'espère que vous avez des filles. Si, si. Vous avez des bana. J'ai un garçon. J'ai un garçon et une fille. Voilà. Au pays, ça va battre tout. Par exemple, il y a pour balayer la maison, tu vois. Mais non, et arrive quand tout ça bat. Il a recoursé. Ah, il a l'air fatigué. À boire, il combat. À côté, non, papa, c'est moi qui avais balayé. Très bien. Mais avec l'application, on retient et ça l'a arrêté. Si aujourd'hui, c'est Raïssa. Demain, ça sera Josué. Donc, même si hey, il se trompe, l'application ne va jamais se tromper. Dès qu'il se réveille, il voit son nom là. Très bien. Ils sont tous déballés aujourd'hui. Très bien, voilà. Bon, je pense que avec ça, ça donne le goût déjà. Il faudrait y aller au centre Top Technologie pour apprendre ça. Hein? Donc, c'est juste un goût. On ne saura pas tout dire dans une émission. Juste un goût. Mais il faudrait s'y rendre maintenant. Avant que Ali Kabassé puisse prendre la parole pour... voir comment finir. Je veux que maman puisse parler aussi parce qu'on n'a pas pu prendre aussi ses réactions. Voilà, la seule dame représentée sur mon plateau de Cap Vert 2023. Les femmes aussi doivent exceller. Hein? On vous attend pour les échéances électorales
mais on a besoin de vous déjà. Démarquez-vous dans plusieurs secteurs. Voilà. Elle est avec nous sur ce plateau également. Elle pourra aussi donner ses ambitions, sa motivation et pourquoi pas aussi ce qui lui a poussé un peu. Voilà, vous avez quand même la parole, maman. Vous êtes la seule dame représentée aujourd'hui. Voilà, vous avez votre micro. Ok. D'accord. Allez-y. Technologie. Voilà, Madame Sandra. Moi, Madame Sandra. Je suis là auprès de professeur Ali Kabasele. Bon, Nayaki Kosala Maramoussous. Bon, j'étais là auprès de lui étant que secrétaire. Mais du fait que Nazaya qui peut intéresser, Ngape, Naye Kolape. Et puis Singapoussa, Yakouyeko. Ah, ok. Donc, Yoyaki, le rôle à. Secret, maman sec, hein? Maman sec, ah, ouais. Mokomi ouais. Kata. Les lots qui ont été étudiants au Bayaka. Oh là. Mais Naoki, elle est goût de ça, elle est pas zolo. En plus, une femme que vous êtes. Oh là, il faut encourager quand même. En fait, c'est un peu ça. Nde Nazo, Yébisa, Basipe, Bazape, Bazape, Nandroa, Yakoya, Koyekola. Basi, comme Bali, Bakoya, Koyekola. En tout cas, ma porte n'a plus à ouvert. D'accord. Merci maman. Voilà, ça m'a vraiment donné le goût de donner la parole aussi à Ali Kabasele qui va vraiment vouloir finir. Mais je pense qu'il va nous donner les détails parce qu'il y a des gens même qui veulent avoir cet ouvrage, je pense. L'ouvrage est là. Il va nous donner un peu les précisions, comment avoir cet ouvrage. Ozali peut écrire. Hein? Donc moi je te souhaite vraiment bon tremplin dans Ozali Kosala. Alors, Pesabis aussi, comment Batubari Kosala, les inscriptions continuent. Est-ce qu'aujourd'hui aussi. On peut vous voir facilement, hein, centre au bas du biseau comme son cours, ils allaient où et puis exactement, moi, précision, détail, s'il y a des coordonnées comme le numéro électronique et tout, passe-le, comme ça on va voir comment finir. Voilà. Oui, maintenant, personnellement, contact, maintenant pour l'ouvrage, ouvrage donné en France, dans Paris, soit pour mon travail, ouvrage exoté comme en internet peut-être, dans Moussika, ou quoi, dans Amazon, le site Amazon. Ma fenêtre, les amis, la Kiltira, tout bas en France, Baobi. Soit Betska, ma Google, Ali Kabasé, le recommandé livre, Bon, mais c'est un souci, mettons la technique à Sika, mettons la technique à interphone, mettons à Libana, vous avez le pain, vous avez le pain, vous avez la vidéo dans le 4 et puis vous avez la possibilité de fouler les portes à partir de la distance. Ou un peu de technique, tout le monde, tout la technique à la caméra. On installe la caméra, à tout qui est Tanzanie, à tout qui est Lubumbashi, vous avez la capacité, possibilité, il y a au moins un document, la technique est donnée. Donc, centre de ressources, aujourd'hui, dans la commune de Kasavubu, dans l'avenue Opala, numéro 8, c'est la direction Force, Force Opala. Donc, ma contact, c'est les Ali, 089 58 48 808. 089 58 48 808. Au bas, vous avez la WhatsApp. Ils allient plus 33, 58, 51, 59, 18. Plus 33, 7 et plus 33, ou 7, 58, 51, 59, 18, Nasuka. Très bien. Bon, allez, merci beaucoup Ali Kabasele d'être présent aujourd'hui suite à mon invitation. Cela me va droit au cœur parce que on a besoin d'une nouvelle génération, que ce jeune puisse émerger, qu'ils apportent aussi le développement pour la nation. J'ose croire que on a dit l'essentiel. Hein? Voilà, on a dit l'essentiel. Il y a un mot à ajouter rapidement. Parce okay. Qu'un année, on a vu qu'il va travailler bien, connaissance, tout s'est complété. Par exemple, quand on va y aller, on va y éviter. Par exemple, si on va y aller, on va éviter dans la bête, on va y aller, on va s'inscrire. Tous au moins, tant on a, tout partager. Je connais ça aussi. Surtout, Basi, tout le monde, on va s'inscrire, on va faire formation. Malheureusement, ils appellent un bisou, dans la société. Tout le monde, ça va chantier. Basi, Basi, si on va y aller, la partie conception, informatique. Surtout, on va y aller, on va chantier. Très bien. Voilà. Allez, merci beaucoup Ali Kabasele pour cette grande initiative quand même de pouvoir penser à donner une autre image à la nation tout en apportant une nouvelle technologie. Et cela aussi permettra à l'État congolais de croire que
parmi le milieu de la population que nous sommes, mais il y a aussi des Congolais qui excellent, hein, qui ont des idées nouvelles pour accompagner le pays ou accompagner nos autorités. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Cap Vert 2023 pour aujourd'hui. On s'arrête par ici. Restez confiants en nous et pourquoi pas aussi continuer à nous écrire à travers nos numéros et pourquoi pas aussi vous qui avez besoin de pouvoir accompagner nos amis. Ils ont passé leur numéro et à travers nos numéros facilement aussi, vous pouvez nous appeler. On va vous le retransmettre sans problème pour que vous puissiez aussi leur associer en temps réel. Voilà. Allez, je vous retrouve déjà très prochainement avec d'autres invités de marque et pourquoi pas aussi réfléchir sur l'avenir, sur 2023, réfléchir également aussi pour ne pas rester dans l'utopie, rester dans les horreurs, rester dans les imaginations, mais restons plus focalisés dans ce qui est essentiel pour nous et en 2023, que nous puissions sourire et pourquoi pas aussi dire merci à tout Congolais qui apporte édifice. Allez, portez-vous bien. Bye bye chez vous. Au revoir.